Comme on parle de rythme aujourd'hui, j'ai décidé de faire des baguettes. Pas des baguettes de tambour, mais des baguettes de pain pour manger. Pour faire du pain, ça prend du sel, de l'eau, la farine, la levure. Mais pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on saute des étapes grâce à la pâte à pizza. Tout d'abord, préchauffe ton four à 325 degrés. La supervision et l'aide des parents sont conseillées pour cette recette. Étire la pâte sur le comptoir dans la forme d'un gros rectangle. Une fois que la pâte est bien étalée, badigeonne la surface avec un peu d'huile d'olive. Et agrémente à ton goût. Moi, je vais faire un mélange de sucre et salé. Des graines de sésame et du sel d'un côté, et du sucre et de la cannelle de l'autre. La prochaine étape, c'est de couper la pâte en lanières et la placer sur une plaque à biscuits comme celle-ci avec du papier ciré. Moi, j'aime les tourner un peu avant de les mettre au four. Et voilà, c'est prêt pour la cuisson. Ça devrait prendre environ 15 minutes ou jusqu'à temps que ça soit croustillant et doré. Et voilà, le résultat est gastro-rythmique. N'oublie pas d'aller sur le site web pour voir toutes mes recettes. Bye!